Yo les marsouins, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de rentrée où je vais vous expliquer l'évolution, les changements de la chaîne. Vous l'avez peut-être constaté depuis quelques semaines, je fais uniquement des lives sur Twitch et non plus sur YouTube Gaming. Je vais vous expliquer pourquoi je fais des lives uniquement sur Twitch. La première raison est simple, en fait je me suis posé la question, moi quand je vais regarder des lives, je vais sur quelle plateforme? Et ben je vais sur Twitch et non sur YouTube Gaming, à part pour regarder un copain, Mads et Paul. Mais sinon la plupart du temps je suis sur Twitch pour regarder les lives, donc ça c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que quand je fais des lives sur YouTube, il y a des mecs qui viennent faire leur pub sur le chat. Et ça, ça me dérange. Je suis pas là pour faire la police. Je suis pas là pour leur dire d'aller faire leur pub ailleurs. Les modérateurs non plus ne sont pas là pour ça. Donc ça, c'est une des raisons. La troisième raison est que depuis quelques semaines, je suis passé affilié Twitch. Et être affilié Twitch, ça ne me permet pas de faire des lives sur YouTube en simultané. J'ai signé un contrat, j'ai pas le droit de le faire tout simplement. Et donc, le fait d'être affilié aussi vous concerne directement parce que maintenant, moi, je peux stream en 1080. Permettre aux gens qui ont une bonne connexion de regarder mes streams en 1080 sur Twitch, mais aussi de pouvoir modifier la qualité de la vidéo en 720, 480 pour les gens qui ont une moins bonne connexion. Et ça franchement c'est un truc que j'avais pas en n'étant pas affilié, et là maintenant que je suis affilié Twitch, vous pouvez regarder avec n'importe quelle connexion, le live est sur Twitch. Le fait d'être affilié aussi me permet d'avoir des subs. Alors les subs c'est quoi? C'est tout simplement un abonnement que vous allez payer mensuellement. Un abonnement de 5€ par mois qui vous permet tout simplement de me soutenir, de soutenir mon travail. Me permet aussi d'acheter de l'équipement, des jeux et autres. Bien sûr le fait d'être sub à ma chaîne Twitch est complètement facultatif, il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez venir en tant que viewer. Regardez mes lives sur Twitch, il n'y a pas de problème. D'ailleurs sachez que j'ai ouvert une chaîne YouTube secondaire uniquement réservée aux rediffusions des lives Twitch. Elle s'appelle TipexVOD, je vous y invite bien sûr à vous abonner. Tous les liens sont en description, le lien Twitch, le lien de ma chaîne secondaire TipexVOD. Et j'espère que vous allez être beaucoup à suivre mes aventures sur Twitch, car oui, vous l'avez compris, il y aura de plus en plus de lives. Mais attention, je ne délaisse pas ma chaîne YouTube principale, donc celle-ci. Je continuerai à apporter du contenu vidéo, que ce soit des vidéos découvertes, des rediffusions de live avec montage bien sûr, parce que les vidéos complètes sont sur ma chaîne secondaire, je l'ai déjà expliqué. En fait, ça change pas grand-chose pour vous, mis à part le fait de suivre mes aventures ainsi que celles du Derima sur des plateformes différentes. Je vais maintenant vous parler du contenu ainsi que des jeux que j'attends. Alors, il y aura toujours du Arma 3, c'est le jeu fil rouge de la chaîne, c'est le jeu fil rouge du Derima. C'est un jeu qu'on affectionne, et en plus avec le contenu qui se présente, le mode OPEX que vous connaissez déjà, qui a été fait par Gemini, et le mode OFRP qui va arriver. Donc OFRP, je rappelle, c'est l'opération French Point, c'est tout simplement les équipements français, les armes françaises et les véhicules français. Ça va arriver très prochainement, donc franchement, avec le mode OPEX et OFRP, ça risque de faire un bon mélange, et on va se faire de bonnes missions. Donc voilà, si vous aimez Arma 3, vous serez servi. Il y aura du Squad, du Verdun, du Tannenberg pour rester dans les FPS un peu simulation. J'attends bien sûr Mountain Blade 2 Bannerlord, Mordo, un Chivalry en mode simulation. On se fera le let's play de Kingdom Come Deliverance sur Twitch, donc avec des rediffusions sur YouTube. Enfin bref, plein de gros jeux, que ce soit des jeux indépendants, des jeux AAA. On fera des vidéos découvertes, des lives découvertes. Il n'y aura pas forcément que des jeux FPS, il y aura aussi des jeux peut-être de stratégie, des RPG, des jeux d'aventure, des jeux de plateforme. Je voulais pas rester cantonné à un seul type de jeu sur ma chaîne. Je vous avais déjà l'année dernière proposé une ouverture avec des jeux comme Mountain Blade, avec des jeux comme Star Citizen, même si j'en ai pas fait beaucoup. Il y en aura par la suite, mais voilà, j'attends les prochaines versions de Star Citizen, notamment la 3.0 si elle arrive un jour. Il y aura aussi du Holdfast Nations at War, un Mountain Blade Napoleonic War like. J'y suis arrivé. Il y aura du Frostpunk, ce jeu-là je l'attends énormément. En gros, c'est le nouveau jeu de ceux qui ont fait This War of Mine. Je l'attends énormément. Enfin, je pourrais vous en énumérer plein d'autres, mais je ne vais pas faire une liste complète, il y en a tellement. Il y aura aussi du War of White. Je l'ai pas oublié ce jeu, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'arrive pas à tomber sur des serveurs où il y a du monde. Il faudrait que je participe à un event, il faudrait que je contacte la communauté française. On verra ça par la suite. Du Escape from Tarkov, j'en ai déjà commencé, mais voilà, là c'est la bêta, j'y joue un petit peu. Quand le jeu sortira, je pense qu'on va en faire pas mal. Bref, plein de bons jeux que j'attends, qui devraient me plaire et qui j'espère vous plairont. Donc n'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, Twitch. C'est tout. Ah non, si, il y a un Discord. Mais ça, vous le savez déjà, parce que j'ai déjà fait une vidéo exprès pour vous annoncer qu'il y a un Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté des Marsouins si elle est jeune. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Peace. Hey, hey. Viens t'abonner, je veux de la monnaie, monnaie, monnaie. Viens t'abonner, je veux de la monnaie, monnaie, monnaie. Allez, ouf. Allez, les jeunes. Si, y a. Portez-vous bien.